God bless you. Merci, que Dieu vous bénisse. How are you, sir? Comment allez-vous, monsieur? God bless you so much. Que Dieu vous bénisse. Yes. There's two messages I want to give to you. Il y a deux messages que je vais vous donner. One. Le premier. I'm seeing promotion. Premier, je vois la promotion. Hear me and hear me well. Écoutez-moi, écoutez-moi. One. Premièrement, I'm seeing promotion. Je vois la promotion. Two. Deuxièmement, I'm seeing people around you. Je vois les gens autour de vous. Who rise up against you. Qui vont se lever contre vous. Be careful. Faites attention. Thank you. Be careful with those that are around you. Faites attention avec ceux qui sont autour de vous. Immediately. Immédiatement, they will add this gallon. On va ajouter ce gallon. The people around you. Les gens qui sont autour de vous. Be careful. Faites attention. Thank you. Let me just tell you clearly. Be careful with poison. Faites attention au poison. Be careful what? Poison. Poison. Faites attention au poison. Thank you, Lord. Pray against marry and remarriage. Priez contre le mariage et le remariage. Thank you. If not, you will get old without a woman in the house. Sinon, vous allez vieillir sans avoir de femme à la maison. Pray. Priez. Marry and remarriage. Le mariage against, et le remariage. Pray against it. Priez contre le mariage et le remariage. Amen. Where is your wife? Où est votre femme? She's in the house. She's in the house. Yeah. Elle est à la maison. Pray against it. Priez contre le mariage. Contre le mariage et le remariage. Go closer. Thank you. To your baby. Amen. Hallelujah. Amen. God bless you. Amen. I pray. Je prie. You will not have tears concerning your wife. Vous n'aurez pas de larmes concernant votre femme. Jesus name. Amen. Au nom de Jésus. And no poison. Et aucun poison. We'll see you this year. Je vais vous voir cette année. Even if they put it in your drink, you will go fat. Even if they come to put you down, as they reach up there, they will uplift you. Amen. You are coming back with a great testimony. Amen. Merci, Seigneur. God bless you. Que Dieu vous bénisse. How are you? Comment allez-vous? You are fine. Yes, man of God. You are not fine. Vous n'allez pas bien. It's true, man of God. We wanted to know, man of God, that you are fine. Vous voulez marcher à l'homme de Dieu, vous allez bien. Come. Venez. Give that child and come. Today, if I give you a word of prophecy, aujourd'hui, si vous donnez une parole de prophétie, celebrate. Célébrez. This is 2022. C'est 2021. The one I've been saying 2021, the grace is triple. I say you are not fine. Je dis, vous n'allez pas bien. Be careful. This is spirit of loneliness. Faites attention, ça c'est l'esprit de célibat. You will feel yourself like I want to be alone. It's true, man of God. I don't want to see anybody around. It's true. Oui, c'est vrai, homme de Dieu. It's a spirit. C'est un esprit. It's a spirit. C'est un esprit. If God does not deliver you, si Dieu ne vous délivre pas, this is suicide. I'm seeing. Ça c'est le suicide que je vois. Oh my God, please help me. Homme de Dieu, aide-moi, s'il te plaît. What you are saying, Lord, is true. Because the other day, I even wanted to take a knife that I want to kill myself. Ce que tu dis est vrai, homme de Dieu, parce que la dernière fois, il voulait prendre le couteau pour me suicider. Where is your husband? Où est votre mari? He's behind her. Sir, how can God be talking to your wife and you are sitting down? Meanwhile, God wants to loosen a rope on your neck. You are sitting down. You see, I say people of little faith. This kind of thing, you run that Lord, you have located me. I want to begin the year with joy and gladness. Did you know that your wife wanted to take her life? He never knew. You are hearing me today. Now I'm hearing. I'm seeing your wife. I'm seeing her spirit. Very far from the family. Je vois votre femme, je vois and this spirit is going closer. Take her life. This is suicide. Cet esprit veut prendre sa vie. Ça, c'est le suicide. And she's saying that the other day she will took a knife to take her life. Elle dit que la dernière fois elle a pris le couteau pour ôter sa vie. Yes, sir. Help her, please.
Homme de Dieu, s'il vous plaît. There are things I cannot explain here, so. Il y a des choses que je peux pas expliquer. We are already in front of God, so let me just leave that one for now. Lord, Seigneur, have mercy over your daughter. Aie pitié de ta fille. Sir. Yes, man of God. Monsieur. I'm not saying that you are the cause. Je dis pas que vous êtes la cause. She has her own things to amend concerning her life. Elle a beaucoup de choses aussi à changer you concernant have your sa own vie. To amend. Vous avez beaucoup she à is your changer. Wife. C'est votre yes, femme. At times, also listen to what she is saying. Souvent, écoute aussi à ce qu'elle dit. God can use her to give you an advice. Dieu peut l'utiliser and God can use you to give her an advice. Et Dieu peut vous utiliser pour lui donner un conseil. That is why you people are one. C'est pour ça que vous êtes un. Thank you, man of God. This is the first number one point. Ça c'est le premier point. You can sleep. God does not speak to you. He speaks to your wife through a dream. Vous pouvez dormir. Dieu ne vous parle pas. Il parle à votre femme à travers un rêve. And if your wife tells you, you people should go down on your knees and pray. Et si votre femme if it is parle, a good one, aller, pray for it. Si if it is a bad one, pray against it. Si c'est mauvais, si vous priez, c'est bon anger, de prier. We don't have that opportunity, sir. Eh? The capacity of anger, we cannot. I cannot even approach her. Homme de Dieu ne peut pas l'approcher à cause de sa colère. Hey. God is going to solve the problem right now. Mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus Christ. You demon of stealing, killing, toi, démon de vol, and destruction. Meurtre de destruction. Come out. So. Mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus Christ. Mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus Christ. There is no hiding place for you. Il y a pas de cachette pour toi. There is no hiding place for you. Il y a pas de cachette pour toi. Today is the day of your judgment. Aujourd'hui c'est le jour de ton jugement. Fire. Feu. From the crown of your head to the sole of your feet. Depuis le sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes you pieds. You demon of anger. Toi démon de colère. Fire. Feu. There was a day you saw yourself in the river. Et un jour vous avez vu dans la rivière. I'm seeing your spirit closer to the river. Je vois votre esprit proche de la rivière. This is a spiritual husband. Ça c'est un mari spirituel. Spiritual. Be on prayer line. Soyez la ligne de prière. If not, sinon, you will cry. Vous allez pleurer. To hear a cry of a baby. Vous allez pleurer pour écouter le cri d'un enfant. You have opened a door and the enemy have entered. Vous avez ouvert la porte et l'ennemi est entré. I want to meet you in the prayer line. Je veux vous rencontrer à la ligne de prière. Are you getting me? Yes, my love. Vous m'écoutez. Yes. Please, sir. I want to settle. I'm seeing a big problem. Monsieur, je vois un grand problème. Big problem. Je vois un grand problème. If this problem is not solved, si ce problème n'est pas résolu, your challenges will start even after now. Vos challenges vont commencer à partir de la. Forgive your husband. Pardonne à votre mari. Forgive your wife. Pardonne à votre femme. Don't justify. Let forgiveness move through you people. Ne vous justifiez pas que le pardon marche au milieu de vous. Oh, well, please help me because of forgiveness. I don't have the spirit, Lord. So it's only by the help of God. Homme de Dieu, aidez-moi parce que je n'ai pas l'esprit du pardon, ce n'est que par la grâce de Dieu. No matter the prayer, nothing can take place. Peu importe la prière, the flow of the healing power is blocked through unforgiving spirit. That's true. I want to see people after the service. Je veux vous après le service. God sit down. God bless you. Je vous assure que Dieu vous bénisse. Thank you, Jesus. Come. Take note Noté. Of the debts
21st. Notez de la date du 21. 21st. You will never forget this date in your life. 21st. Okay, amen. Oublie cette date du 21 dans votre vie. Thank you, Jesus. I will not tell you the month. Je ne vais pas vous dire le mois. And I will not tell you what will happen. Je ne vais pas vous dire ce qui va arriver. Thank you, Jesus. Can you embrace me? Je peux m'embrasser. Embrace me. Don't do it over. My wife is around. Ne fais pas ça trop. Ma femme est à côté. Yes. Do it in faith. Fais come on. Dans la foi. I have never said leave it. Je vais pas dire que vous laissez. Don't look at me. Look at that somebody that you are embracing. Ne me regardez pas, regardez quelqu'un que vous embrassez. Somebody that will live to embrace you. Quelqu'un qui va vivre pour vous embrasser. As you are rising up. Quand vous levez. Celebration. La célébration. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I receive it. Vous bénissez. Thank Jesus. Madame. God bless you. Madame, que Dieu vous bénisse. Thank you, Papa. God bless you. Amen. Lay your right hand on your womb. Imposez votre main droite sur vos entrailles. I'm seeing an attack. Je vois les attaques. I'm seeing an attack. See, I will hear the cry of my baby. Dis, je vais écouter les pleurs de mon enfant. I will hear the cry of my baby. I will hear the cry of my baby. In Jesus' name. Amen. Amen. Don't. The womb is being adjusted. Vos entrailles sont ajustées. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Have you visited a hospital? Est-ce que vous avez visité des hôpitaux? Madame. Papa. Have you visited a hospital? Yes, est-ce que vous avez papa. Visité des hein? hôpitaux? I went there and they booked me for operation. Oui, j'y suis allé, on m'a parlé d'opération. You will not be operated. God is already, God is adjusting everything. Vous n'allez pas être opéré, Dieu ajuste toutes choses. So you are the husband? Yes, monsieur, vous êtes le mari? Hein? Yes, sir. Do you know that your wife have trouble? Savez-vous que vos, yes, votre épouse a des problèmes? Huh? Yes, papa. You know. Oui, homme de Dieu. Yes, sir. For how long now? Cela fait combien de temps maintenant? It's more than a month now. She went to the hospital and did echography. So they discovered that there was cysts in her ovaries. Cysts in her ovaries. Yes, papa. Cela fait un mois environ qu'elle allait à l'hôpital. On a découvert qu'elle a les kystes dans le ventre. Clap for Jesus Christ. Acclamons très fort pour Jésus. This is what Satan wants to use to cause her not to conceive. C'est ce que Satan veut utiliser pour l'amener à ne pas concevoir. That is why I tell her that to confess that she will hear the cry of her baby. C'est la raison pour laquelle je lui ai demandé de confesser qu'elle doit écouter les pleurs de son enfant. And so shall it be in Jesus' name. Que cela soit au nom de Jésus. Receive your children. Reçois Amen. Tes enfants. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom Amen. Puissant de Jésus. Be free. Sois libre. That ovarian cyst is over. In Jesus' name. Les ovaires sont terminés au nom de Jésus. Just a word. Juste une parole. The centurion said, just a word, master. Just a word. Juste une parole, maître. Just a word. Thank you, Jesus. Madame, God bless you. Madame, que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. I am seeing somebody. Je vois quelqu'un. But I am seeing an attack. Mais je vois les attaques. I am seeing somebody. I am seeing an attack. Je vois quelqu'un, mais je vois les attaques. Tell me, man of God. I should tell you. Yes, man of God. Dites-moi, homme de Dieu. I tell you which way, no.
It's true, man of God. Eh? It really is true. C'est vrai homme de Dieu. She was married. She left her marital house. She's now here in Douala. Elle était mariée, mais elle a quitté son foyer. She has two children with the man. Elle a deux enfants avec le monsieur, mais elle a divorcé. You never know, say the man not there for your house. You never knew that you were not in this man's house. Vous ne saviez pas qu'on était plus dans le. You never knew. Yes, where are you living? She's living where? Où est-ce que vous vivez? In Douala means where the man is in Maleke. Wait, she's living with who in Douala? With a man? Elle vient avec qui à Douala? No, with his brother. You thought that your brother is that your man? Vous pensez que c'est votre frère et votre mari? How do you say that you don't know that there's a problem? Comment est-ce que vous dites que vous ne savez pas qu'il y avait un problème? God wants to solve this problem now. Dieu veut résoudre ce problème maintenant. Amen. I'm seeing a man, I'm seeing a trouble, a problem. It means that God wants to solve it. Amen. Je vois un homme, je vois les problèmes, cela veut dire que Dieu veut les résoudre. You don't love this man? Vous n'aimez pas cet homme? No, man of God. Non, of the Dieu. You have how many children with him? Vous avez combien d'enfants avec lui? Yes, deux. Two. Yes, man of God. And you don't love him? No. Hey. Vous ne l'aimez pas. Sister, come. Ma soeur, venez. Sister, come. Is this not Satan? C'est pas l'œuvre de Satan. Is it not Satan that is fighting our sister? Ce n'est pas Satan qui combat notre sœur. These two children that you have with this man. Ces deux enfants vous avez avec cet homme. Est-ce qu'on a attaché vos yeux? How can you say that you don't love him? Comment pouvez-vous dire que vous n'aimez pas? How do you manage to have these two children? Comment vous avez fait pour avoir deux enfants? It's not one child that you can say mistake. How can mistake come to the number two? Comment est-ce qu'il peut avoir une erreur avec deux enfants? You cannot have a child with him. You see, repeat again, when there was no love. Vous ne pouvez pas avoir un enfant there avec is love. Lui. Satan is the one that fought that love. Et vous répétez encore cela. Et vous dites que vous ne l'aimez pas. C'est God Satan wants to solve that problem. Qui Amen. Combat cet amour. Let me just tell you what I'm seeing. Laissez-moi vous dire ce que If je you vois. Don't settle down with this man, si vous ne établissez pas I'm avec cet homme, people. Je vois trois personnes. That the same thing will still happen. Et so la même chose doit so se produire. So the problem is this man. Le problème n'est the pas problem cet homme. The problem is for you to solve the problem spiritually. Il faut que vous résolviez ce problème spirituellement. Don't allow these two children. Ne permettez pas à ces deux enfants to grow without their father. De grandir sans leur père. Have you heard? Yes, est-ce que vous comprenez? I'll counsel you. I believe on Sunday after the service. Je vous conseille dimanche and see me. Après le culte. What I'm seeing, I don't want your destiny to be destroyed. Ce que je vois, je veux pas que votre destinée soit détruit. And I believe that God will restore your home. Thank vous avez besoin de conseils et je crois que Dieu pourra vous restaurer. Even before you settle down with this man. Même avant de vous établir avec cet homme. Remember the other relationship. Rappelez-vous de votre ancienne relation. Yes, man of God. Yes, man of God. Before you started with this man. Remember what happened with the other relationship. Avant celui-ci, souvenez-vous de ce qui s'est passé yes, avec les autres. Have you remembered the other relationship before this man? Les autres relations avant celle-ci. Leave this man, the same thing will still happen with the next man. Avec cet homme, les mêmes choses vont arriver avec le prochain. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Thank you, Lord. It is well. That man is your Tout husband. Va bien. Amen. Cet homme, c'est votre mari. I am a man of God, I will not lie you. Un homme de Dieu ne veut pas vous mentir. God bless you. Que Dieu vous bénisse. So God bless you. Monsieur, que Dieu vous bénisse. Si. This year. Cette année. This year. Yes, sir. Say it is my year that I will rise. Dites que c'est mon année de l'élévation. This year 2022. This year Cette année 2022. It is my year that I will rise. It is my year c'est that mon I will année d'élévation. I'm seeing an attack. Yes, sir. Je vois les attaques. That if God is not strong with you. Yes, sir. You will abandon the work. Face à ces attaques, si Dieu ne soutient pas fort avec vous, vous allez abandonner. Sir, I cannot imagine. What I passed this year. Okay, what you have passed through this year. What I passed through this year. C'est que j'ai traversé cette année abandoned. Qui est passée. I want all the grace, all the power that I've received in this ministry today.
There's no way for me avec to toute abandon. La grâce et la puissance que j'ai reçue de ce ministère aujourd'hui, je ne vais pas abandonner. This is the confession that will help him. Voici Amen. La confession qui Because doit l'aider. What I'm seeing Parce this que ce year, que je vois cette année, it's a year that when you overcome, you rise. C'est you, l'année où si vous réussissez à vaincre, vous allez that vous élever. That is why I'm making you to understand. If you don't stand firm this year, thank you, sir. You will not rise. But c'est pourquoi je vous fais comprendre. As you confess, you are going to si rise. Vous ne vous tenez Amen. Pas ferme cette année, you are going to rise. Amen. Vous n'allez pas être élevé. Where's your wife? Où est votre épouse? Where's her? Madam, your husband is here. You are looking the world there. Hold the hand of your husband. Tenez la main de votre mari. Do you know where you are going to rise? Savez-vous no, où vous allez être élevé? No, sir. And do you know where you will fall? Et savez-vous no, sir, où vous allez tomber? The hands that you are holding like that. Yes, sir. La main que vous tenez ainsi. As you hold it like that. Quand vous tenez this year, ainsi, cette année, you will rise. Vous allez vous être élevé. If you don't hold it, you will fall. Mais si vous ne le tenez pas, vous allez tomber. You will not rise without your wife. Vous ne pouvez pas vous être élevé sans votre épouse. There is a mission that God has for you through your wife as well. Et une mission que Dieu Thank vous a accordée à travers the votre épouse. Vous deux. You cannot be able to rise alone. Vous ne pouvez pas être élevé seul. And if the two of you does not hold your hands, si vous ne vous tenez pas les mains, you will fall. Vous allez Thank échouer. This beast will visit you people in this hand. Cette bête va vous visiter à travers cette main. Thank you, sir. Madam, you are hearing. Yes, you that you were looking madame. The wall. Hey, this is where your destiny lies by holding the husband's hand. C'est la destinée de votre vie, le fait yes, de tenir la main de votre mari. You people receive a test. Vous allez recevoir serious one. Un test. The beginning of this year, un you test will be sérieux. Increase. Au début de cette When année. When you people overcome, Mais si you people will rise. Vous réussissez Amen. À vaincre ce test, vous allez être élevé. When God gives a message, lorsque Dieu donne un message, when God gives a message, huh? When God gives a message, either to you or to you, ou soit à votre épouse, you people should believe each other. Croyez ensemble. And pray over it. Et priez pour cela. You may be waiting God. Vous pouvez attendre de Dieu. Pass the message to your wife. Et il passe le message Because au travers God de votre femme. Because God is seeing your wife as you. Yes, Parce qu'il voit But votre if épouse don't believe comme the vous. Message, si vous ne croyez pas you au message, be limited. Vous seriez limité. Same as if you don't believe your husband. De la même manière. Si that vous ne croyez pas votre you mari, people be limited. C'est tout pour vous. Vous God serez is limité. Saying you people don't believe each other. Dieu dit que vous ne croyez pas en vous. Huh? Yes, sir, master. It's true, c'est vrai, homme de Dieu. You people don't believe each other. Man of God, I want just to confirm the prophecy for today. It homme was not Dieu. Easy for me today for this attack that you are seeing. Yes, I'm here. I was not here today. I was to minister in Kribi today. But it come because of this attack make me to be here today. And I just think that is the will of God, so that I should understand. I shall move this week, this year. Clap for Jesus I Christ. I give glory to God. Très fort Clap for Jesus dis. Christ. So this year, you are rising année, up depends on you holding your wife's hand. Votre élévation dépend this is where du fait the trap que vous tenez is. La main de votre épouse. God said, if you don't believe each other, you people will not rise. Dieu dit, si vous ne croyez pas en vous, vous n'allez pas être élevé. Before God, God is seen by you. Devant Dieu, il vous voit. The two have become one. Les deux, vous êtes un. When God passes a message to your wife, He has passed it to you. Lorsqu'il a passé le message If à votre you tell épouse, God, Father, c'est à vous. I never heard. You did not tell me anything. Go instead, be surprised what you are Lorsque saying because dit à Dieu, you know that He has spoken écouter, to you. Il sera When surpris he spoken to your parce wife, qu'il sait qui vous a parlé. Parce qu'en parlant à votre épouse, il vous a parlé. Yes, that is where your problems are. So, Thank you, God sir. Bless you. C'est de là Thank que viennent vos you. Problèmes. Thank you, sir. God bless you. Thank you. Thank you. You overcome. God bless you, people. Que Dieu vous bénisse. In Jesus' name. Amen. Yes. The Holy Mountain Ministries is a ministry that is still growing. So please, your support for the realization of the vision and the destiny of the ministry is highly appreciated. For inquiries concerning your support for the ministry and Restoration TV, please contact this ministry's official support lines.
+237 672 119410 +237 695 495327 God bless you for your support for the growth of God's kingdom. The Holy Mountain Ministries est un ministère qui grandit encore. Alors, s'il vous plaît, votre soutien pour la réalisation de la vision et la destinée du ministère est vivement apprécié. Pour toute personne voulant soutenir le ministère et la chaîne Restauration TV, s'il vous plaît, contactez le ministère au numéro de soutien officiel suivant. +237 672 11 94 10 +237 695 49 53 27 Que Dieu vous bénisse pour votre soutien pour l'avancement du royaume de Dieu. Restoration TV, bringing to you the gospel of our Lord Jesus Christ. Stay tuned to the word of life. Restoration TV, pour vous apporter l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, restez connectés à la parole de vie.